Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois on avait bien avancé notre enclos sur les bonobos. Et aujourd'hui on va essayer de créer un nouvel enclos ici pour des varirous ou des makikata. On va voir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par poser une clôture en rondin. Vu que là on est en rondin partout maintenant. Hop, et on va vraiment la faire claque ici. Alors on redéplacera les trucs plus tard, les points pour ce nickel. Va essayer quand même de le faire assez grand, même s'ils n'ont pas besoin de trop d'espace. Là on va pouvoir faire un plus grand ici. Là, je fais un peu à l'arrache, hein, mais on redéplacera les points. Oh non! Ça passe pas là. Hop. Alors. Oui, ah oui, la dernière fois aussi. On avait parlé des achats et des ventes d'animaux. J'en ai vendu plusieurs sur le marché. Et du coup, il fallait que j'aille. Il fallait que j'aille échanger les animaux que j'avais mis dedans. Voilà, donc là j'ai des lions à vendre. Hop, 624. En fait, j'avais pas compris ça, mais les ventes sur le marché c'est carrément trop bien. 37, un springbok doré de 1,7 ans, ça m'étonnerait. Attendez, oh, un animal mort. Vétérinaire en route, parfait. Alors, moi c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Je voulais. Allez voir un springbok. Alors on enlève les hippotrags, on met le springbok. Paf. Filtre. Ça marche pas. Déjà l'autre fois il me semble que j'avais un problème comme ça. Ok. Je pense que j'ai des problèmes avec ma connexion. Vraiment c'est un peu pénible ça. Donc ça on laisse, on va continuer comme ça. Oui bleu. Donc ce que je voulais voir moi, c'était ici, là, là. On enlève les hippotrags et on met les springbok. Filtre. Voilà. 105, voilà. C'est un mâle. Ah les femelles, mais oui, parce que les femelles, elles s'achètent comme ça. Des femelles hein, que j'avais là-dedans au centre d'échange. Et oui. Oh les mâles, excusez-moi, on peut les vendre plus cher que ça. Ah, une femelle dorée, on va les changer, mais on va la mettre à 135. Le mâle argenté, enfin de bronze. Allez. On va le mettre à 10 000. Non, je rigole. On va le mettre à 80. Hop. Lui, on va le mettre aussi. Allez. C'est pénible quand ça fait ça. Du temps, on va le mettre à 105. Hop, et je crois bien que celui-là et celui-là, on va les vendre. Ah, elle est bon gène de fertilité, celle-là. Ah, ça peut faire réfléchir. Ça peut, elle a des bons gènes, pourtant elle est pas. Ça peut faire réfléchir. On va la mettre à disons 50. 50, hop. Voilà, et lui, on va le mettre à 50 aussi. Statue d'alpha, buffle d'Afrique. Ok, on va les voir. On va les voir quand ça voudra bien se mettre. On va mettre pause.
Allez, échange, voilà. Ah, je peux taper directement. Parfait. Hop, 50. Échange. Clac. Donc là, j'ai créé tous mes trucs. C'est parfait. On verra. Du coup, j'ai gagné pas mal, hein, en vendant mes lions et mes trucs. Hein. Oula, faut que je mette de la lumière là. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais complètement oublié. La gestion de la lumière ici. Autant là, je l'ai géré à peu près partout. Là, il en manque peut-être un petit peu dans la montée du pont et ici. Mais sinon, là, la lumière, j'ai à peu près géré partout comme il faut. Je pense. Je pense, je pense. Ouais. Donc, on disait. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, le combat de buffle. Zo. Donc là, on a des buffles. On a un mâle alpha ici. On a un mâle alpha qui se bat avec un mâle. On va avoir plein de petits. On a une femelle dorée, tiens. Pas mal. Alors, du coup, Daoud. Il s'appelle Daoud. Daoud. Ça me fait penser à Darude. Ah là là. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce chanson. Buffle d'Afrique. Donc lui, on va. Ça fait quoi si on le recharge dans la nature? 34. Pff. Hop, 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 hop. On va l'envoyer au centre d'échange. On va mettre lecture. Hop. Et on va aller voir combien valent. Oh, il neige. Oh, il neige. Tiens, ça va m'obliger à. Eh oui. Gérer les. Ouh là là, la température, truc, chose que j'avais complètement oublié. Oh là 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 là, bien-être faible. La température, pause. Ouais, mais j'ai encore plein de bébés lions, moi. Alors, la température. L'animal a trop froid, et eh oui. Oui. C'est où que je vois? Ok, il faut juste que je mette des trucs quoi. Donc habitat. Chauffage. Chauffage, chauffage. Donc ça fait du froid, on est d'accord. Alors, on va en mettre un par là. Pas mal. Un par ici. Et un autre par là. Et un dernier par là. Ah, mais attention, ouais. L'air d'effet est trompeur, je crois. Et on va planquer ça dans des cailloux. On va juste y mettre sous le sol. Voilà. Je crois bien que l'air d'effet est très trompeur. Ok. On va juste y cacher un sol. Voilà ce qui me semblait. On peut. Ah non, on peut pas jouer sur l'air d'effet. Alors attendez, celui-là. On va le décaler par là. Ok. On va en remettre un par ici. On va remettre un par là. Là-bas, c'est pas mal, sinon. On va remettre un par là. Et un par là. Hop, les girafes, on va en remettre. Du coup, là, on aura besoin d'un par ici. Hop, un par là. Et un par là. Voilà. On va avoir le même problème pour nos bonobos, je suppose. Clac. 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 Ah, un animal mort. Tac. Vétérinaire. Un mauvais ratio mâle-femelle. Oh zut. Comment ça, mauvais ratio mâle-femelle?
Mauvais ratio mâle-femelle. C'est combien les lions? Taille du groupe de 1 mâle et 29 femelles, bah c'est ça. J'ai bien un mâle là-dedans. J'ai bien un mâle là-dedans, moi. Et j'ai déjà des lions qui ont grandi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah ouais. Ok, bah toi au centre d'échange. Hein. Voilà. Ok, c'est très bien, ça va me rapporter de l'argent. Du coup, là, on va quand même remettre des trucs. Donc ça, on va le déplacer parce que sinon, sinon ça se voit et j'aime pas. J'aime pas que ça se voit. Hop, et on va le dupliquer. On va en mettre un. Par ici quand même, hop. Voilà. Voilà, il n'y en a plus là. Je l'ai enlevé carrément. Zut. Zut. Ok. Mettre un ici. Voilà. Comme ça, on est bien nickel. Ah, ça me va bien, ça. Ça me va bien. Les girafes, c'est pas mal aussi. On va y planquer aussi tous ces trucs. Parce que c'est pas beau. Hop. Pas mal, ils les ont mis dans les murs en faisant comme ça, c'est sympa. Ok, bon, les singes ils sont bien aussi, du coup, nickel. Ah, ils ont fait des petits encore, c'est toujours le même petit, je ne sais pas. Ah, ouais, non, il y a des petits en haut, et ils vont commencer à être à l'étroit alors, je pense. Il va falloir qu'on regarde ça. Oh là là, il va en falloir un truc aussi. Hop. Faites voir ça. Terrain. Oh, ça va. 930 mètres carrés, il faudrait. Alors, on essaiera de gratter un peu par ici. On va pas pouvoir à l'infini de toute façon. Hein. Là, on a une zone assez limitée. Hein. J'ai déjà gratté par là-bas. On verra ça plus tard. Ok, donc très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Service inaccessible. Comment ça? Comment ça, service inaccessible? Bah, c'est bien accessible là. Le Master Nogaslepsy. J'aime bien ces langues à la Sims un peu. Ok, pourquoi c'est inaccessible? Je ne comprends pas. Service inaccessible. What? Assigner les zones de travail. J'ai la présentation. Nya 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 nya. Ok, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça n'est pas accessible? Est-ce que c'est parce que c'est trop loin du truc là? Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être, on dirait bien. On va rajouter un peu de déco autour. On va attendre que ce soit nickel parce que. Si on met de la déco et que c'est pourri, on verra. Oh là là, il y a du peuple. Oh là là, le peuple. Wouah. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais ici et là là. Pourtant là après j'ai mis des allées de 10 mètres, non?
Ah, peut-être pas. Là, c'est des allées de 10 mètres. Pas là-bas. Ouais. J'aurais dû mettre des allées de 10 mètres. J'avais hésité, hein. Tant pis. J'aime beaucoup cet habitat-là que j'ai fait ici, moi. Je suis assez fier de moi, là. Ok, donc là, on va s'occuper de terminer celui-ci maintenant. Hop, donc là, chut. On va essayer de le mettre nickel, hein. Faire un truc bien. Allô? Là. Là. Voilà, lui, on va le décaler par là. Hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ici, on va essayer de faire mieux aussi. Voilà. Pour optimiser l'espace dans l'enclos. Surtout que là, ça va être vraiment... qu'est-ce que je veux dire? Là, ça va être vraiment des trucs de visiteurs, là. Enfin, là, je veux dire, là, il n'y a que les visiteurs qui vont venir. Hop. Donc, tchouk tchouk tchouk. Là, on est bien. Oh, on a un bel enclos, là. Il est déjà assez grand. Ok, donc là, on va pouvoir mettre une entrée par ici, comme ça, ils seront plus près. Entrée en bois. Oh non. Comment ça? Comment ça, je peux pas mettre mon entrée en bois là? Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ah, c'est parce que j'étais pas du bon côté. Paf. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Bon, moi qui voulais absolument aucune... Enfin, aucune barrière comme ça. Je pense que ça va être compliqué hein, pour les enclos avec des singes comme ça. On va pas bien avoir le choix. Je pense. Ok, donc là l'idée ça va être de faire une autre petite cabane ici, un peu dans le même style que celle-ci, pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent venir dormir. Mais même là on va pouvoir gagner de l'espace, on va pouvoir essayer de pouvoir optimiser ça. Hop. Hop. Je suis sûr qu'on peut gagner des mètres carrés comme ça. On va gagner des mètres carrés. Ah, attendez, sur toute la taille du truc là, si je colle bien les... Je peux gagner des mètres carrés, hein. Hop. Mètre carré gagné, c'est pour mes animaux. Hein. C'est pour leur bien-être. Hop. Clac. Bon, là, on va pouvoir gagner bien plus. Hein. Ok, donc là, on a dit, on va mettre des... Ah, on va vendre. Lui. 680. Ah, on les a vendus, hein, pas mal. On est à 2000. Ah, ça marche trop bien, ça. Ça marche trop bien. Ouais, on va les changer à 680. Si on y arrive, bordel. Recherche vétérinaire terminée. 680, hop. Et le buffle. Le buffle, on va le mettre un peu plus que ça quand même, non? Faites voir. Un buffle qui a quel âge? 5 ans. Un buffle de 5 ans. Un buffle d'Afrique. Hop, paf, paf, filtré. Allez, voilà. 3000! 3000! Les moins chers, ils sont à 3000. Waouh! Alors attendez.
Si là je peux me faire 3000, je vais le mettre à 2500. Allez! On va le mettre à 2500. Boum! Alors, recherche vétérinaire terminée. Clac! Parfait, grenouille Goliath terminée. Lui, hop, là-dessus. Et maintenant, ici, on va pouvoir mettre les derniers trucs. Oh, bien-être, pourquoi? Ah oui, il doit y en avoir trop. Voilà. Il y en a trop. Donc là, je prends ces deux-là. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que la première chose d'abord qu'on va faire, c'est ça. C'est quoi ça, Monsieur A? C'est quoi ces trucs, Monsieur A, Monsieur B? Ah, ces trucs qui jettent de l'eau. Ah, c'est fun. Les brumisateurs. Pourquoi ils ont appelé ça Monsieur? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Hop, là on gagne un petit peu en plus. Bon, ça va être peanuts maintenant, ça. Ça, c'était ce qui me rapportait le plus, mais au final... Bon, maintenant que j'ai compris qu'on peut gagner pas mal d'argent comme ça, ça va le faire. Ok, donc... on a dit, là, les grenouilles, il faut qu'on les enlève. Combat dangereux pour le statut. Oh, ils sont pénibles. Hein. Qui c'est qui se bat encore? Qui c'est qui se bat? Alors, oh, les bonobos, on en a fait... Eh, ça donne, hein? Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, là, les buffles. Lui, c'est encore un petit... Alors, lui, je peux pas l'envoyer au centre de charge, lui? Pourquoi? Envoyer au centre d'échange. Hop. Voilà. Ensuite. Ouah, les escargots. Pareil. Ah, mais eux, dès que je les surveille pas, bon, on va vendre tous ceux qui sont pas dorés. Déjà, dans un premier temps. Paf, paf. Paf, paf, paf. Paf, paf. Envoyer au centre d'échange. Ok. Ensuite. Les hippotrags, on en est où? Les girafes, je vais avoir un bébé là, cool. Faudra que je rachète un mâle peut-être. Parce que lui, ça doit être sa mère, et du coup, ce serait pas cool qu'il fasse du bébé avec sa maman. Quoi qu'on s'en fout, on a dit. Vieillesse. Donc lui va bientôt crever. Les grenouilles. Elle a plus de traits, je vais peut-être la garder, hein, même si elle est vieille. On va garder un mâle. On va garder. Hop, on va virer ces deux mâles là. Ah oui, surtout que c'est ma seule femelle. Alors envoyer au centre d'échange. Hop. Voilà. Ok. Les hippotrags. Ah, toi t'es pas mal alpha. Oh, doré. Envoyé au centre d'échange. Lui, on va le vendre. On va se faire de la tunasse. Ok, donc là ils sont tous souvent. Blablabla. Blablabla. Les lions. Oh, les lions. Les lions. Centre d'échange, centre d'échange. Ah, ça va. Oh, mais sérieux. Bah, 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 bah. Trop bien. Mais ils font que ça, les lions. C'est pire que les lapins. C'est pire que les lapins. Je vais pas me plaindre parce que. Parce que du coup, je vais me faire plein de thunes. Alors, toi et toi au centre d'échange. Bam. Clac. Bah ben voilà. Alors, centre d'échange de vivarium. Là, c'est facile. On s'embête pas. On prend tout. Et on échange. Là, clac, échange rapide. Bon, ça, on s'embête pas. Ceci maintenant. Bah, ceci, je verrai, je ferai hors vidéo. Mais là, deux dorés. Un animal s'est échappé. Ah là 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 là. Et voilà. Et voilà. Ça devait arriver. Capturer l'animal. Ça devait arriver. Faut que je mette un truc là pour pas qu'il passe. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
En fait, il faudrait que je mette un truc ici pour pas qu'ils puissent escalader, mais c'est des singes quoi. C'est des singes, bon sang. C'est des singes. Et puis maintenant qu'ils ont trouvé le truc, ils vont tous échapper, je parie. Tous les coups. Je sais pas le mois ce que ça change. Donc, reprenons. On va mettre pause parce que sinon on va jamais y arriver. Là, no Maki Kata ou no Variru, je sais plus. Un des deux. Soit des. C'est pas Makikata, c'est Var. Comment ils s'appellent ces animaux déjà? Alors déjà les Varirous. Les Varirous. Filtre. Hop. Ah oh bah ça va, ils coûtent pas cher. Alors des Varirous. Sopédi. Eux peuvent aller avec les lémures kata, pas les Makikata. Pourquoi je dis tout le temps Makikata, ça vient d'où ça? D'où est-ce que je tire ça? Des Varirous. Les lémures kata. On va prendre des Varirous pour le moment. Parce qu'ils sont pas chers. On va prendre lui. Il nous faudrait une femelle jeune, celle-ci. 800. 800, ça fait cher. Mais bon, elle est dorée. Il y a celle-là, sinon, qui est un peu plus vieille. 8 ans. Allez, vas-y, on la prend. 81, on s'en fout. Adopté. Je vais même prendre elle aussi, tiens. Hop. J'ai des sous. Hein, on s'est fait plaisir. Par contre, elle a pas. Pour une dorée, elle a pas de. On va prendre elle quand même. Allez. Voilà. Donc. Alors maintenant, je reviens. Il y a un truc que je voulais tester. C'est si là, je peux faire des contrôles. Non, je peux pas faire contrôle-clic hein, pour en envoyer plusieurs au même. Alors. Transférer. Ici. Voilà. Transférer. Ici. Oh, c'est marrant, je pouvais même la vendre. C'était peut-être pas la même. Je sais pas. C'est elle que j'ai payé 800? Ouais, je crois. Ouais, ça va t'elle. Je peux les revendre plus cher presque que ce que je les ai achetés. Ok, donc là on a 3 Varirous maintenant qui vont arriver dans cet enclos. Et maintenant il va falloir. Faire en sorte que cet enclos soit habitable pour nos Varirous. C'est toujours les mêmes. Hein. Ah! Animal mort. Animal mort. Animal mort. Appelez le vétérinaire. J'ai 3 animaux morts là. Oups! Recherche vétérinaire terminée. Hop. Nickel, bonobo. Oh là, tout ce qu'il y a à rechercher sur les bonobos. Hop, là on a réussi un défi. Adopter des animaux. Bam, bon c'est peanuts un peu encore, hein, c'est récompense. Ok. Donc là, on met pause. Tout de suite, paf. Hop, et eux, on va leur faire un habitat. Donc déjà, premièrement, ils ont largement l'espace qu'ils vont avoir besoin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, maintenant, on va commencer par le sol. Le sol, ils ont besoin de moins d'herbes longues, mais de plus d'herbes courtes. Donc on va enlever de l'herbe longue. Hop, voilà. Alors, on a beaucoup trop d'herbes courtes. Par contre, ils ont besoin de terre. Hop, on fait de la terre un peu à l'arrache, comme ça.
Voilà. Voilà, c'est pas mal. On a trop d'herbes courtes encore. Un peu de roche. Par contre, c'est un peu trop plat. Bah, peut-être pas là en fait. Là, je vais laisser plat par contre ici. Je vais faire un petit peu des petites collines comme ça. On va essayer de faire un petit truc sympa. Hop. Du coup, on va pouvoir mettre un peu de roche. Là. Ici. Voilà. Voilà. Ok, on va remettre de la terre. Ok, on est bon. Très bien. Donc là, on prendra un espèce de truc comme ça qu'on mettra ici. Pareil, une petite cabane. Recherche mécanique terminée. Ok, donc là, on a terminé. Les attractions, wow, trop bien, on va pouvoir faire des télécabines, un train à vapeur et une aventure en 4x4. Fantastique. Par contre, j'ai absolument aucune idée de comment on va adapter tout ça. Attraction aquatique, ah! Ça, faut que j'y pense. Une attraction aquatique. Un train à vapeur. Le train à vapeur, on fera peut-être un truc qui fait genre. Ah, j'ai aucune place ici, j'allais dire. On fera un truc qui fait tout le tour de notre zoo. Mais là, je me suis un petit peu trop collé par là, quoi. Surtout qu'on peut pas genre sélectionner tout et déplacer. Et je vous le dis tout de suite, je vais pas m'amuser à tout refaire. Enfin, par contre, on pourra faire un petit train qui fait genre comme ça. Où c'est qu'on pourrait faire un truc aquatique? En Amérique du Sud? En Afrique, peut-être pas, quoi. Ou si, faut faire un truc avec les hippopotames, passer devant les éléphants. Ça peut se faire, ça. Hein. Faire un truc qui commencerait par là. Comment ça marche, ces trucs? Alors attendez, on va juste regarder vite fait. C'est où qu'on voit ça d'ailleurs? Attraction à locomotive. On a un monorail, on a une balade en bateau, aventure en 4x4 et télécabine. Wouah! Wouah, le truc! C'est énorme! Alors, ça, on pourra peut-être faire un truc qui passe au-dessus là, du coup. Comment ça marche? Ok. Alors, attraction pour locomotrice. Pour construire une attraction locomotrice, vous devez, d'un coup, on sait pas, en sélectionner une dans la section. Ok. Vérifier avec section de rail. Ok, blabla. Donc, ça va être une gare. Ok. Ok. Je comprends. Non, on va supprimer. Ok, donc je vois le genre. Donc là, faut qu'on commence à y réfléchir à ça.
C'est important. Peut-être qu'on va faire par ici là. Peut-être que là, ce trou d'eau, on va faire un petit pont. Ah, ce serait pas bête, ça faire un petit pont, là, faire des hippopotames. Là, les éléphants. On sera au-dessus des éléphants pour aller voir d'en haut. Ah, ce serait cool ça. Là, on aurait un truc un peu comme ça, là. Ah ouais, mais attendez, faut que je pense à l'eau, là. Ouais, mais ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si on se met quelque chose comme ça. Hop. Avec un pinceau un peu plus gros. Hop. Là, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Hop. Clac. Avec là les éléphants. Du coup, on fera donner un peu de... Quand même, hein. Pas laisser plat comme ça, parce que c'est dégueulasse sinon. On pourrait faire un truc comme ça. Là, on aurait un pont. Là, je trouve que ça sera l'occasion de faire un petit pont. Par-dessus l'eau. Ou par ici, hein, plus par là, on verra. Et du coup, gérer les hippopotames de ce côté-ci. Comme ça, les gens, ils verront en bateau les lions, les hippopotames. Là, on a dit qu'on aurait, je sais plus quoi. Ah, ce serait pas bête comme idée, ça. Et comme ça, on utilise l'eau qui est là pour faire le l'attraction. C'est pas une mauvaise idée, ça. Il faudra juste revoir les chemins là, mais ça c'est pas trop gênant. On pourra faire notre gare. On pourrait même faire notre gare ici en fait, ce serait notre pont, notre gare. Ouais, donc faudra garder ce chemin quand même qui va faire le tour là. Ah, pas forcément. Peut-être que notre chemin il peut passer. Je sais pas, on réfléchira pour le chemin. Mais là ça pourrait très bien être les éléphants. Ici. On va laisser de la place derrière du coup parce que là je me suis un peu trop collé au bord. Du coup si je veux faire je pourrais faire une espèce de monorail là qui passe par-dessus et qui va de l'autre côté. Ce serait sympa. Ce serait sympa ça par exemple. Ouais. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Donc là, éléphant. Putain, faudrait que je me fasse un. Faudrait que je me fasse un espèce de petit plan, un dessin là devant sur mon bureau pour pouvoir me rappeler de tout ça parce qu'il y a des chances que j'oublie. Mais bon, je pense que je vais arriver à y penser. Donc là les éléphants avec des roches devant là qui feront une petite falaise pour pas qu'ils s'enfuient et en même temps les gens pourront les voir d'en haut. Ce sera cool. Ce sera très très cool. Et du coup une attraction aquatique. Ah oui, je voulais voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça pourrait tout à fait être là-dedans. Comme ça. Paf, avec là, la route, elle fera plus un petit décor, un petit départ comme ça, là. Faudra que j'essaye ça, comment ça marche. Ok, donc là je mets mes rails, on s'en fout, et après je fous mon eau quoi en fait. Ouais, l'eau elle doit être par là, ok. Donc ça va être un peu en hauteur, ouais c'est nickel, hein. Ça ira bien, ça ira très très bien. Ça ira parfaitement bien ici. Allez, bah on fera ça, on fera ça. Bon d'abord il va falloir qu'on fasse notre enclos pour nos varirous. Mais en tout cas, ici, on va faire ça. C'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Mais en tout cas, il faudra peut-être venir les singes aussi d'abord. Prendre un accès là. Ouais. Ouais, je commence à avoir plein d'idées. Ça va être vraiment trop bien. Mon zoo va être trop classe. Faut que je donne un peu de volume aussi au sol. Parce que là, j'ai fait un espèce de petit étage, là, de petit niveau. Va falloir que je vois comment je fais. Je vois comment je fais. Je pense que je vais faire une espèce de grosse montagne pour la zone de l'Amérique du Sud
avec des grottes et tout. La zone de l'Europe, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai envie de faire une zone par continent. La zone de l'Europe, je sais pas trop comment je vais la faire encore. Je pense que ça va être assez plat, la zone de l'Europe. Peut-être pas, remarque, il y aura des loups, des trucs comme ça peut être un peu montagneux aussi, hein. Peut-être que notre grosse montagne, ça peut être un truc central. Avec. Parce que mon idée, ce serait d'avoir une espèce de pyramide avec des alligators, donc genre pour faire l'Égypte, qui donne ensuite sur la zone de l'Amérique du Sud, qui serait du coup par ici, là, je pense. Et on pourrait faire une espèce de montagne centrale ici, avec un pan de la montagne qui sera sur l'Amérique du Sud et un pan sur l'Europe. Ouais, j'ai pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées. Donc, bah, on verra ça les prochaines, dans la suite. Allez, ça fait 40 minutes là, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!